Serge a 29 enfants et le 30e arrive. Des enfants de trois femmes différentes, mais tout le monde vit sous le même toit. Des enfants qui sont ravis, même si tout cela demande une certaine organisation. Thomas de Bergueil, Steve Daman. Je suis un homme heureux, je vous dis, je suis un homme heureux. Disons que c'est un petit arène, quoi. C'est mon arène. Et Serge Renier n'est pas peu fier de sa famille, sa grande, très grande famille. 29 enfants âgés de 0 à 19 ans, et pour les éduquer, trois mamans, Christine, la femme de Serge, sa belle-sœur Karine et sa concubine Judith. La liste est tellement longue que nous avons laissé les mamans faire les présentations. Jonathan, Christelle, Jérôme, Benoît, Cathy, Carmen, Julie, Brigitte, Serge, Valène, Judy, Brandon, John Ross, Bruce Lee et Madison. Roselyne, Michael, Linda, Anaïs, Alex et Olivier. DJ, Muriel, Ludovic, Laurence, Benoît, Marguerite, Joseph, Magali et alors Anémone que j'attends. Une bonne dose de discipline, un peu d'autorité et beaucoup d'amour. Chacun ici a son rôle. Les grands s'occupent des plus petits, une tâche essentielle, surtout au moment des repas. Il y a tout de même trois bébés et ce n'est pas encore terminé. J'en veux encore. Peut-être deux, trois encore, mais j'en veux encore. Parce que j'aime bien les enfants. Avec 4 500 € d'allocation familiale, la vie n'est pas toujours facile. Serge et ses compagnes ne travaillent plus. Il faut parfois se priver car la priorité, ce sont les enfants. Mais ici, le bonheur est ailleurs. Les questions qui fâchent et les tabous, ça n'existe pas. Je m'occupe de mon épouse le soir quand je viens ici. Quand je m'en vais chez ma concubine Judy, je m'occupe d'elle. Et après, quand si Karine a besoin de quelque chose, je suis là aussi. S'il ne pense pas au moindre record, Serge Renier est sans doute à la tête de la plus grande famille du pays.